Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 16e audience de cette année, la 268e audience du pontificat de Benoît XVI. Benoît XVI qui vient d'arriver sur la place et qui, comme d'habitude, salue les quelques 20 000 fidèles accourus aujourd'hui pour écouter sa catéchèse. Parmi les fidèles présents, a signalé la présence de pèlerins venus des diocèses de Paris, Évreux, Arras, Cambrai, ainsi que des fidèles venus de la paroisse Saint-Clément de Metz. La paroisse de Draguignan. Et la paroisse Saint-Marcel de Thon. Le Saint-Père ouvre cette audience, audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti,
e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Parola di Dio. De la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes mort avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of the Father. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hid with Christ in God. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Palavra do Senhor. Tu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Bracia, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, in questi primi giorni del tempo pasquale, en ce premier jour du temps pascal qui se prolonge jusqu'à la Pentecôte, nous sommes encore comblés de la fraîcheur, de la joie nouvelle que les célébrations liturgiques ont portée dans nos cœurs. Donc aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur la Pâque, cœur du mystère chrétien. Tout en effet commence d'ici, le Christ ressuscité d'entre les morts est le fondement de notre foi. De la Pâque s'irradie comme d'un centre lumineux incandescent toute la liturgie de l'Église, en tirant d'elle contenu et signification. La célébration liturgique de la mort et résurrection du Christ n'est pas une simple commémoration de cet événement, mais est sa réalisation dans le mystère. Pour la vie de chaque chrétien et de toute communauté ecclésiale, pour notre vie. En effet, la foi dans le Christ ressuscité transforme l'existence, œuvrant chez nous une résolution continuelle, comme écrivait saint Paul aux premiers croyants. Autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme de fils de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Comment pouvons donc faire devenir vie la Pâque? Comment peut prendre une forme pascale toute notre existence intérieure et extérieure? Nous devons partir de la compréhension authentique de la résurrection de Jésus. Cet événement, ce n'est pas un retour à la vie précédente, comme cela a été pour Lazare, pour la fille de Jairo ou pour le jeune de Naïm. Mais c'est quelque chose de complètement nouveau et différent. La résurrection du Christ est l'arrivée vers une vie qui n'est pas soumise au temps, mais c'est une vie immergée dans l'éternité de Dieu. Dans la résurrection de Jésus commence une nouvelle condition de l'être homme qui illumine et transforme notre chemin de chaque jour et ouvre un avenir qualitativement différent et nouveau pour l'humanité tout entière. Pour cela, saint Paul non seulement lie de façon inséparable la résurrection des chrétiens à celle de Jésus, mais indique aussi comment l'on doit vivre le mystère pascal dans la quotidianité de notre vie. Dans la lettre aux Colossiens, nous avons entendu, il dit « Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc la réalité d'en haut. C'est là-haut le Christ assis à la droite du Père. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. » À première vue, en lisant ce texte, on pourrait croire que l'apôtre voudrait favoriser le mépris des réalités terrestres, invitant, c'est-à-dire, à oublier son monde de souffrance, d'injustice, de péché, pour vivre par avance dans un paradis céleste. La pensée du ciel serait donc une sorte d'aliénation. Mais pour comprendre le sens véritable de ces affirmations de saint Paul, il suffit de ne pas les séparer de son contexte. L'apôtre précise ce qui veut dire par « chose de là-haut » que le Christ doit rechercher, et les choses de la terre desquelles doit se protéger. Voilà tout d'abord quelles sont les choses de la terre qu'il faut éviter.
Faites mourir, écrit Saint Paul, ce qui appartient à la terre, c'est-à-dire impurité, immoralité, passion, mauvais désir et cette cupidité qui est rien d'autre que idolâtrie. Faire mourir chez nous le désir des biens matériels, l'égoïsme qui est à la racine, à l'origine de tout péché. Donc lorsque l'apôtre invite les chrétiens à se détaché des choses de la terre, il veut faire comprendre ce qui appartient à l'homme vieux dont le chrétien doit se dévêtir pour s'habiller, se vêtir du Christ. Il a été clair pour dire quelles sont les choses vers lesquelles il ne faut pas fixer son propre cœur. Et il a été tout aussi clair, Saint Paul, lorsqu'il nous a indiqué quelles sont les choses de là-haut que le chrétien, en revanche, doit chercher et goûter. Ces choses concernent ceux qui appartiennent à l'homme nouveau, qui s'est revêti du Christ une fois pour toutes dans le baptême, mais qui a toujours besoin de se renouveler à l'image de celui qui l'a créé. Voilà comme l'apôtre des nations décrit ces choses de là-haut. Choisis de Dieu, saint et aimé, revêtez-vous donc de sentiments de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur, de magnanimité, vous aidant réciproquement et vous pardonnant les uns les autres. Mais surtout, revêtez-vous de la charité qui unit toutes ces choses de façon parfaite. Saint Paul est donc bien loin d'inviter les chrétiens, à chacun d'entre nous, à échapper le monde dans lequel Dieu nous a placés. C'est vrai que nous sommes des citoyens d'une autre cité où se trouve notre nouvelle patrie. Mais le chemin vers ce but, nous devons le parcourir chaque jour sur cette terre. En participant dès maintenant à la vie du Christ ressuscité, nous devons vivre en tant qu'hommes nouveaux dans ce monde, dans le cœur de la cité terrestre. C'est donc le chemin non seulement pour nous transformer nous-mêmes, mais pour transformer le monde, pour donner à la ville terrestre un visage nouveau qui favoriserait le développement de l'homme et de la société selon la logique de la solidarité, de la bonté, dans le respect profond de la dignité de chacun. L'apôtre nous rappelle quelles sont les vertus qui doivent accompagner la vie chrétienne. Tout en haut, il y a la charité à laquelle toutes les autres choses sont liées comme la source à sa matrice. Elle résume les choses du ciel. La charité, qui avec la foi et l'espérance, représente la règle de vie du chrétien et en définit sa nature profonde. La Pâque, donc, porte donc la nouveauté d'un passage profond et total, d'une vie soumise à l'esclavage du péché à une vie de liberté animée par l'amour, force qui fait tomber toute barrière et qui construit une nouvelle harmonie dans son propre cœur et dans le rapport avec les autres et avec les choses. Chaque chrétien et donc chaque communauté, si vit l'expérience de ce passage de résurrection, ne peut ne pas être que fermant nouveau dans le monde, se donnant sans réserve pour les choses les plus urgentes, les plus justes, comme démontre le témoignage des saints de toute époque et dans tout lieu. Beaucoup sont les attentes aussi de notre époque. Nous, les chrétiens, croyant fermement que la résurrection du Christ à renouveler l'homme sans l'enlever du monde où il construit son histoire, nous les chrétiens, nous devons être les témoins lumineux de cette vie nouvelle que la Pâque a apportée.
La Pâque est donc un don qu'il faut accueillir toujours plus profondément dans la foi pour pouvoir agir dans toute situation avec la grâce du Christ selon la logique de Dieu, la logique de l'amour. La lumière de la résurrection du Christ doit pénétrer notre monde, doit arriver comme un message de vérité et de vie à tous les hommes grâce à notre témoignage quotidien. Chers amis, oui, le Christ est vraiment ressuscité. Nous ne pouvons pas garder pour nous cette vie et cette joie qu'il nous a donnée dans sa Pâque, mais nous devons la donner à tous ceux qui nous approchons. C'est notre tâche, notre mission, faire naître dans le cœur du prochain l'espérance, là où il y a le désespoir, la joie, là où il y a de la tristesse, la vie, là où il y a la mort. Témoigner chaque jour la joie du Seigneur ressuscité, cela veut dire vivre toujours de façon pascale et faire résonner la bonne nouvelle que le Christ n'est pas une idée ou un souvenir du passé, mais une personne qui vit avec nous, pour nous et en nous. Et avec lui, et pour et en lui, nous pourrons faire nouvelles toutes les choses. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, des séminaristes du diocèse de Saint-Étienne, accompagnés de leur évêque, Mgr Dominique Lebrun. Des pèlerins des diocèses de Paris, Strasbourg, Évreux, Arras, Cambrai, Autun, des pèlerins des paroisses Saint-Marcel d'Autun, Saint-Clément de Metz, Saint-Denis de Bornel, Notre-Dame de Bonne-Espérance de Gaillon, Notre-Dame de Recouvrance et Saint-Jean-Baptiste de Soucy, Saint-Jeanne de France de Nogent-le-Roi, Sainte Marie-Madeleine des Chartreux à Marseille, Sainte-Anne de Sifour, Saint-Nicolas de Cannes, Sainte-Thérèse de Falaise, Saint-Ignace de Strasbourg, Notre-Dame la Réale de Perpignan, d'Épène Mirabeau et de Draguignan. Le service des vocations et des pèlerins de la paroisse de Louviers, des confirmants d'Alençon et de Sée,
des membres de l'association L'Arche de Dijon, des membres de l'aumônerie Oyonnax Belgrade-Lacluse, un groupe de l'hospitalité de Cambrai, des élèves et des formateurs du collège Joliot-Curie de Carqueiran, du collège Saint-Joseph de Lectour, du lycée Louis Kerbe de Rodez, de Suisse, un groupe de pèlerins de Corcelles, des élèves et des formateurs du lycée de Sillon. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais réfléchir avec vous sur Pâques, centre du mystère chrétien. En effet, le Christ ressuscité d'entre les morts est le fondement de notre foi. La résurrection du Christ nous oriente vers une vie enracinée dans l'éternité de Dieu et ouvre un nouvel avenir pour l'humanité entière. En nous dépouillant du vieil homme qui est en nous, nous faisons mourir nos désirs insatiables de biens matériels et l'égoïsme, racine de tout péché. Devenus des hommes nouveaux par le baptême, revêtons le Christ pour vivre dans la charité. Le cœur tourné vers les réalités d'en haut, nous ne nous évadons pas du monde où Dieu nous a placés. Nous sommes appelés à lui donner un visage nouveau qui favorise le développement de l'homme et de la société, selon la logique de la solidarité, de la bonté et dans le respect de la dignité de chacun. La charité est le centre et la source de toute la vertu, le résumé des réalités d'en haut. Pâques apporte la nouveauté du passage d'une vie sujette à l'esclavage du péché à une vie de liberté animée par l'amour qui abat toute barrière et construit une harmonie dans nos cœurs et dans nos relations. Chers amis, faisons revivre l'espérance là où il y a le désespoir, la joie là où il y a la tristesse, la vie là où il y a la mort. Je salue avec joie les pèlerins francophones, particulièrement des séminaristes de Saint-Étienne, accompagnés de Mgr Dominique Lebrun. Puisque vous êtes le ferment nouveau de notre monde, en apportant à tous les hommes, la lumière de la résurrection du Christ, qui est un message de vérité et de vie. Bonne fête de Pâques à vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From Ireland, newly ordained deacons from the Pontifical Irish College with family members and friends. From Sweden, pilgrims from the Vimmerby Church of Sweden Parish, Linköping. From Lebanon,
students from the Lebanese Evangelical School, Beirut. From Australia, a group of teachers from the Marist Brothers Schools. From the Philippines, College of the Immaculate Conception Corral, Cabanatuan City. Also, pilgrims from the University of the Philippines, Quezon City. From Thailand, pilgrims from the dioceses of Chantaburi and Ratchaburi. From the United States of America, pilgrims from the Diocese of Paterson, New Jersey. Pilgrims from the following parishes: St. Albert the Great, Kettering, Ohio; St. Peter's, Merchantville, Ohio; pilgrims from Saints Cyril and Methodius Seminary, Orchard Lake, Michigan; pilgrims from Relevant Catholic Radio, Green Bay, Wisconsin; students and staff from Los Alamitos High School, Los Angeles, California; Bishop England High School, Charleston, South Carolina; the Dominican Academy, New York. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in these first days of Easter, the Church rejoices in Christ's resurrection from the dead, which has brought new life to us and to our world. St. Paul exhorts us to make this new life evident by putting to death the things of this earth and setting our hearts on the things that are on high, where Christ is seated at the right hand of the Father. Having put on Christ in baptism, we are called to be renewed daily in the virtues which He taught us, especially charity, which binds all the rest together in perfect harmony. By living this new life, we are not only interiorly transformed, but we also change the world around us. Charity, in fact, brings that spiritual freedom which can break down any wall and build a new world of solidarity, goodness, and respect for the dignity of all. Easter, then, is a gift to be received ever anew in faith, so that we may become a constant leaven of life, justice, and reconciliation in our world. As believers in the risen Lord, this is our mission: to awaken hope in place of despair, joy in place of sadness, and life in place of death. With Christ, through Him and in Him, let us strive to make all things new. I welcome the newly ordained deacons of the Pontifical Irish College, together with their families and friends. Dear young deacons, in fulfilling the ministry you have received, may you proclaim the gospel above all by the holiness of your lives and your joyful service to God's people in your native land. Upon all things speaking pilgrims present to this audience, especially those from Sweden, Australia, the Philippines, Thailand, and the United States, and with an abundance of joy and peace in the risen Lord. Happy Easter!
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Teilnehmer am 25. Stiftungsfest der Katholischen Akademischen Studentenverbindung Capitolina zu Rom im CV. Aus der Bundesrepublik Deutschland aus den Pfarrgemeinden St. Zeno, Bad Reichenhall und St. Valentin Marzoll, St. Peter und Paul Beratzhausen, Pastoralverbund Bigge Lennetal und Finnentrop, St. Urbanus Birkten, St. Anna Braunfels, St. Cyriacus Bottrop, St. Josef, Burg Lengenfeld, St. Johannes Nepomuk, Chemnitz, St. Johannes Baptist, Coesfeld, St. Egidius, Dittfurt, St. Blasius, Dietmannsried, St. Josef, Düsseldorf, St. Christophorus und St. Johannes der Täufer, Emmerich, St. Sebastian, Freinhausen, St. Maria und St. Corbinian, Freising, Maria Himmelfahrt, Furt im Wald, St. Martin, Garmisch, Heilige Dreifaltigkeit, Grafenwöhr, St. Stephanus, Herlatzhofen, Vereingemeinschaft Lingen, St. Georg Lützelburg, St. Martin Meckenhausen, St. Elisabeth Mülheim, St. Georg Münster, St. Kilian Nierstein, St. Michael Otterskirchen, St. Ulrich Passau, St. Michael Perlach, St. Marien Rachtig, St. Dionysius Recke, St. Bartholomäus Schwarzenholz, St. Johannes Baptist Schweitenkirchen, St. Mauritius Stein im Allgäu, St. Martin Urloffen, Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut, St. Georg, Waldürn. Pilgergruppen aus dem Bistum Augsburg, dem Bistum Dresden-Meißen, dem Erzbistum München-Freising, dem Erzbistum Paderborn. Pilgergruppen aus Deckendorf, Eichsfeld, Elzach, Friedolfing, Köln, Kutzhof, Luhe-Wildenau, Markt Redwitz, München, Nürnberg, aus dem Oldenburger Münsterland, Trier. Evangelische Pfarrei Apostel Petrus Berlin, Ökumenische Pilgergruppe aus Bottrop und Gladbeck,
katholische und evangelische Christen Köln, Familienwallfahrt der Pfarrei St. Peter und Paul Mittenwald, Weihjahrgang 2010 der ständigen Diakone aus dem Bistum Münster, Wallfahrt Mädchenchor am Dom zu Münster, ökumenische Pilgergruppe aus Nürnberg, Wörth, katholische Erwachsenenbildung Ottering, Marianische Männerkongregation Regensburg, Freundeskreis der Missionare vom kostbaren Blut Surberg, Bildungsstätte Haus Wasserburg Wallendar, Schützenbruderschaft St. Sebastianus Angermund 1511, Chor Cantanova Andex, Studienreisegruppe Karlsruhe, Lesereise Traunsteiner Tagblatt, Ministranten, Firmen und Jugendgruppen aus den folgenden Diözesen und Pfarrgemeinden: Bistum Regensburg, Dekanat München, St. Marien Großen Busseck, St. Marien Marl, St. Peter und Paul Ockenheim, Pfarreigemeinschaft St. Rochus Stolberg, Marienschule Euskirchen, aus der Republik Österreich, Ministranten aus Heinfeld, Ministranten und Eltern aus der Pfarre Heilige Barbara Wildalpen, Firmlinge aus der Pfarrei St. Laurentius Kleinostheim, Handelsakademie und Handelsschule Sacré-Cœur Marienanstalt Wien, aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Pilgergruppe aus der Pfarrei St. Katharina Basel, Konfirmanten aus Klein-Basel, Firmlinge aus den Pfarreien St. Marien und St. Laurentius Chur, Ödet Königreich der Niederlanden, Pilgrimsgruppe Öd Utrecht. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in diesen Tagen sind wir erfüllt von der Freude, die das Osterfest uns bereitet hat. Christus ist auferstanden. Die Feier seiner Auferstehung ist aber nicht nur die festliche Erinnerung an ein Ereignis der Vergangenheit. Sie bedeutet Vergegenwärtigung des Geheimnisses im Leben eines jeden Christen. Die Auferstehung Christi soll der Anfang eines Lebens sein, das nicht mehr der Vergänglichkeit der Zeit unterworfen, sondern in die Ewigkeit Gottes eingetaucht ist. Das Irdische in der Form des ungezügelten Verlangens nach materiellen Gütern und der Egoismus als Wurzel jeder Sünde soll sterben. Wer Ostern feiert, erhält Geschmack am Himmlischen. Der neue, mit Christus auferweckte Mensch wird nach Paulus durch folgende Eigenschaften charakterisiert: aufrichtiges Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld, Vergebung und vor allem das Band der Liebe, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In diesen Spiegel sollten wir hineinschauen und danach immer wieder versuchen, uns zu formen. Als Christen glauben wir fest daran, dass die Auferstehung Jesu den Menschen innerlich neu macht, ohne ihn aus dieser Welt herauszunehmen, in die er hineingestellt ist, für die er Verantwortung trägt. In ihr müssen wir die österlichen Zeugen sein,
die mit der Gnade Christi an Gott erinnern und gemäß der Logik Gottes und der Logik der Liebe handeln. Ostern ist ein Geschenk, das im Glauben immer mehr anzunehmen ist. Dann wird das als Hoffnung weitergeben, wo Hoffnungslosigkeit ist, als Freude, wo Traurigkeit herrscht, als Leben, wo Tod ist. Dazu schenke uns der Herr seine Gnade. Euch allen wünsche ich eine gesegnete und frohe Osterzeit. Avec toutes nos excuses pour ce petit problème d'image, nous espérons retrouver le direct de Rome d'ici quelques instants. Toda la iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De España, seminaristas del Seminario Conciliar de Barcelona. Parroquia de Santa Gema de Alcobendas. Parroquia de Cebreros Navalmoral. Moral. Santuario de la Virgen del Monte de Cantabria. Asociación Benéfica Galea de Guecho. Instituto Las Brenas, Isla de la Palma. Grupo de Peregrinos de Valencia. De Guinea Ecuatorial, Asociación Virgen María Rosa Mística de Malabo. De Perú, miembros del Centro Cultural Universitario Ausangate de Lima. De Argentina, Parroquia Santa Rosa de Lima de Chascomús. Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, Mar del Plata. De México, Grupo de la Diócesis de Matamoros. De Venezuela, Parroquia Nuestra Señora de Coromoto de Caracas. Comunidad Los Samaritanos de Caracas. De Chile, Grupo de Peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, colmados con la frescura y la alegría de las celebraciones litúrgicas de este tiempo, deseo referirme brevemente a la Pascua. Cristo resucitado de entre los muertos es el fundamento de nuestra fe, que se irradia en toda la liturgia de la Iglesia, dando contenido y significado a la existencia. La resurrección de Jesús es la plenitud de la vida, no sometida a la caducidad del tiempo, sino inmersa en la eternidad de Dios. Inicia una nueva condición de ser hombres, que ilumina y transforma el camino de cada día y abre un futuro diverso y nuevo para toda la humanidad. La Pascua trae una vida de libertad animada por el amor, fuerza que derriba toda barrera y construye una nueva armonía en el propio corazón, en la relación con los demás y con las cosas. Queridos amigos, Cristo verdaderamente ha resucitado. La vida y la alegría que nos ha dado con su Pascua debemos dar a quienes están cerca. Tenemos como tarea y misión hacer resurgir la esperanza donde hay desesperanza, la alegría donde hay tristeza, la vida donde hay muerte. Hemos de vivir de modo pascual y hacer resonar el alegre anuncio que Cristo no es una idea, un recuerdo del pasado, sino una persona que vive con nosotros, por nosotros y en nosotros. Y con Él, por Él y en Él, podemos hacer nuevas todas las cosas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española en particolar. Il saluto del Papa va ai pellegrini di lingua spagnola dopo la sintesi della catechesi. Toujours en direct depuis. Así como a los grupos provenientes de España, Guinea Ecuatorial, Perú, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Les animo a que con el testimonio cotidiano de vida irradien la luz de la resurrección de Cristo que penetra el mundo y se hace mensaje de verdad y amor para todos los hombres. Muchas gracias. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, vous avez entendu le Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, langue anglaise, allemande, les fidèles de langue espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Présentes nesta audiência, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria de países de língua portuguesa, participam nesta audiência de Portugal, fiéis do Patriarcado de Lisboa, peregrinos da Sertã, do Brasil, peregrinos da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Poços de Caldas. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, a Páscoa é o centro do mistério cristão, pois tudo tem como ponto de partida a ressurreição de Cristo. Da Páscoa irradia, como de centro luminoso, toda a liturgia da Igreja, que dela toma o seu conteúdo e significado. A celebração litúrgica
da morte e ressurreição de Cristo não é uma simples comemoração, mas a atualização do mistério dessa realidade pela qual Cristo iniciou uma nova condição do nosso ser homem, uma vida imersa na eternidade de Deus. Por isso, toda a nossa existência deve assumir uma forma pascal, como ensina São Paulo na Carta aos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Longe de significar um desprezo das realidades terrenas, o apóstolo diz-nos que devemos buscar aquilo que pertence ao homem novo, revestido de Cristo pelo batismo, mas que tem necessidade incessante de se renovar à imagem de aquele que o criou. Cada cristão, bem como cada comunidade que vive a experiência desta passagem de ressurreição, não pode deixar de converter-se em fermento novo no mundo, doando-se sem reservas às causas mais urgentes e justas, como demonstram os testemunhos dos santos de todas as épocas e lugares. Queridos peregrinos de língua portuguesa, particularmente os portugueses vindos de Lisboa e da Sertã, e os brasileiros de Poços de Caldas, a minha saudação, com votos de uma boa continuação de Santa Páscoa. Não podemos guardar só para nossa vida a alegria que Cristo nos deu com a sua ressurreição, mas devemos transmiti-la a quantos se aproximam de nós. Assim, farei surgir no coração dos outros a esperança, a felicidade, a vida. Sobre vós e vossas famílias, desde a minha bênção apostólica. Obrigado. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. We wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni. Pielgrzymka polskiej misji katolickiej z Francji. Lettore in polacco ora che ha salutato il Santo Padre a nome dei pellegrini presenti ora. Et l'on présente maintenant les différents groupes de polonais présents à cette audience. Z racji ogłoszenia kościoła bazyliką mniejszą. Zespół opieki zdrowotnej numer 1 z Rzeszowa. Grupa z Centrum Kształcenia Ustawicznego z Sieradza. Oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dziś, w trzecim dniu oktawy Wielkiej Nocy, Ojciec Święty poświęcił katechezę tajemnicy paschalnej. Jest to centrum chrześcijaństwa. Chrystus zmartwychwstały jest fundamentem naszej wiary. Liturgiczna celebracja śmierci i zmartwychwstania Chrystusa nie jest zwyczajnym wspomnieniem, ale uobecnieniem historycznego wydarzenia, które dokonuje się w życiu każdego chrześcijanina, każdej wspólnoty kościelnej, w życiu każdego z nas. Wiara w zmartwychwstałego Chrystusa przemienia i formuje całe nasze istnienie. On bowiem, pokonując śmierć, wprowadza nas w życie, które nie jest już poddane prawom czasu, ale zanurzone w nieskończoności Boga. Święty Paweł wzywa zatem: jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Nie jest to wezwanie do oderwania od tego, co związane z ziemską egzystencją, ale od tego, co przyziemne. Pisze apostoł:
Zadajcie więc śmierć rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami. Wskazując na to, co w górze, apostoł zachęca. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przeobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. W świetle zmartwychwstania nieustanna troska o te wartości, wspierana mocą Ducha Świętego, pomaga nam stawać się w naszej codzienności nowym człowiekiem w Chrystusie. Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do Polaków. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam. Rivolgo un cordiale saluto ai polacchi. Je salue les Polonais. Je vous remercie pour les signes de bienveillance et pour les vœux qu'ils m'avaient envoyés à l'occasion de la Pâque. Je vous confie chacun et chacune d'entre vous à la bonté de Dieu en demandant des grâces abondantes. Et je vous bénis de tout cœur. Des salutations à un croate. Dans le clim de la joie pascale, je salue tous les pèlerins croates. Le matin de Pâques, les disciples, poussés par la nouvelle de la résurrection du Seigneur, sont allés vers sa tombe et se sont rendus compte qu'elle était vide. Chers amis, vous aussi marchez de cette façon et témoignez que le Christ est vivant. Alléluia. Des salutations en tchèque. Je salue les pèlerins de la République tchèque. Chers amis, que le Seigneur vous donne la véritable joie de la résurrection et qui vous accompagne toujours avec ses dons. Avec ses vœux, je vous bénis de tout cœur. Des salutations en slovène. Je dresse mes salutations cordiales aux pèlerins venus de Slovénie. La joie de la victoire de Jésus sur l'enfer, c'est notre force. Réjouissez-vous dans le Seigneur afin que vous puissiez vaincre avec lui le péché et devenir toujours plus participants de sa vie. Des salutations en lituanien. Je salue les pèlerins venus de Lituanie. Chers amis, le Christ ressuscité remplisse vos cœurs de son amour et de sa joie. À vous ici présents, à tout le peuple lituanien, j'accorde bien volontiers ma bénédiction apostolique. Garbe Jesui Christui. Et un saluto in lingua ungherese. Des salutations en hongrois. Je salue les pèlerins de langue hongroise. Le Christ qui a révélé aux femmes et à ses apôtres la joie de la résurrection vous rende des annonciateurs courageux de la victoire, de sa victoire sur la mort. Que ma bénédiction apostolique vous accompagne. Saint-Père a peut-être oublié un groupe.
Des salutations maintenant en slovaque. Je salue les pèlerins slovaques, frères et sœurs, que votre visite à Rome dans cette octave de Pâques soit par chacun d'entre vous l'occasion d'un renouveau spirituel authentique. Que le Seigneur ressuscité vous accompagne avec sa paix. Bien volontiers, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Presenti a questa udienza, vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Gruppi di fedeli di Lampedusa, accompagnati dall'Arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro. Religiosi dell'Ordine delle Scuole Pie, diaconi della Compagnia di Gesù con i familiari, ragazzi della professione di fede dell'Arcidiocesi di Milano, fedeli dalle parrocchie, decanato di Tione di Trento. Et l'on salue maintenant les différents groupes venus de la péninsule italienne, notamment les adolescents de la profession de foi venus de l'archidiocèse de Milan. Ils sont à environ 5000. Natività di Maria Vergine in Rudiano. Santi Ippolito e Cassiano in Alfianello, Regina della Pace in Zanano di Sarezzo, San Salvatore in Almenno San Salvatore, Santi Vito, Modesto e Crescenza in Ossanesga, Madonna delle Lacrime in Treviglio, Sant'Andrea in Dalmine, San Pietro in Desenzano al Serio, Santi Vito e Modesto in Cermenate, Sant'Antonio in San Fedele in Telvi, San Giulio in Cugliate Fabiasco, San Pietro in Voghera, San Michele Vetere in Cremona,
Cristo re in tombe. Spirito Santo in Zola Predosa. San Giuseppe in Grosseto. Santa Maria Assunta in Montalto di Castro. San Cosimo in Polignano a Mare. Maria Santissima della Croce in Francavilla Fontana. Santa Maria Maddalena in Brandico. Maria Santissima Addolorata in Tuturano. Gruppi di fedeli dalle parrocchie di Magomadas, Busseto, Argegno, Schignano, Serle, Albese con Cassano, Albavilla, adolescenti della diocesi di Cremona, ragazzi del post cresima della città di Cuneo, Associazione Vittime Amianto di Portalbera, Associazione Gruppo dei Dodici, Gruppo dell'Unitalsi da Como, Istituto Melodia di Noto, Istituto Tasso di Villa di Briano, Scuola Santa Maria della Pace di Brescia, gruppi di fedeli dalla Svizzera, parrocchia San Vittore Mauro in Poschiavo, ministranti da Ponte Tresa. Infine, sono presenti coppie di sposi novelli. Comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, l'on salue en dernier les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro, canteremo la preghiera del Padre. Et on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront à porter avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Grazie.
Et je salue tout particulièrement les diacres de la Compagnie de Jésus, invoquant sur leur formation apostolique l'abondance des dons du Saint-Esprit. Je salue les fidèles venus de Lampedusa, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Francesco Montenegro. Je les encourage à continuer dans leur engagement de solidarité envers nos frères émigrants qui trouvent dans leur île. Premier asile d'accueil et en même temps je souhaite que l'organisation compétente continue l'action de sauvegarde de l'ordre social dans l'intérêt de chaque citoyen. Je salue les représentants de l'Association nationale victime de l'amiante et l'Observatoire national amiante. Je les exhorte à continuer leur activité au profit de l'environnement et de la santé publique. Pour terminer, je m'adresse aux malades, aux jeunes mariés, aux jeunes et tout particulièrement aux adolescents venus de l'archidiocèse de Milan. Je vous remercie de votre enthousiasme. Grâce à vous, je ressens la joie de la Pâque, chers amis. À vous aussi, comme aux premiers disciples, le Christ ressuscité répète, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous recevez le Saint-Esprit. Répondez-lui avec joie et amour, le remerciant pour le don de la foi, et vous serez partout des témoins authentiques de sa joie et de sa paix. Pour vous, chers malades, la résurrection du Christ soit une source inépuisable de réconfort, de consolation et d'espérance. Et vous, chers jeunes mariés, rendez active la présence du ressuscité dans votre famille avec la prière quotidienne qui alimente votre amour conjugal. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler les émissions qui vous pourrez suivre sur notre chaîne à partir de samedi prochain à 19h, les émissions pour la béatification de Jean-Paul II à partir donc de 19h samedi prochain, Santo Subito, guérison inexpliquée. Un grand merci de votre fidélité. Grand merci aussi à CTV Telepace.
pour ces images, ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Donc, prochain rendez-vous avec Rome à partir de samedi prochain pour la béatification de Jean-Paul II. Je souhaite une très bonne journée.